The CBC's International Service presents a recital by Canadian tenor André Terp, accompanied at the piano by Colomb Pelletier, directly from the Canadian Pavilion at the International and Universal World Exhibition in Montreal. Le Service international de Radio-Canada vous invite à écouter un récital du ténor canadien André Terp et de la pianiste Colombe Pelletier. Today's recital begins with a group of four songs by Alessandro Scarlatti, Le Violette, Sento nel cuore, O cessate di piegarmi, Su venite a consiglio. André Terp entra au Covent Garden de Londres en 1959 et y devint l'un des premiers ténors lyriques. Il chante aussi de façon régulière au Théâtre Lyrique Nationaux de Paris ainsi que dans les plus importantes maisons d'opéra d'Europe et d'Amérique. Le concert d'aujourd'hui, qui vous parvient du Pavillon du Canada à l'Exposition Universelle et Internationale de Montréal, débute par un groupe de quatre chansons d'Alessandro Scarlatti. Rugiadose, odorose, violette, graziose. Rugiadose, odorose, violette, graziose, violette, graziose. Voi vi state vergognose, mezzo ascose, mezzo ascose fra le foglie. E sgridate le mie voglie, che son troppo ambiziose. E sgridate le mie voglie, che son troppo ambiziose. Rugiadose, odorose, violette, violette, graziose, rugiadose, odorose, violette, violette graziose, violette graziose. Voi vi state vergognose, mezzo ascose, mezzo ascose fra le foglie. E sgridate le mie foglie che son troppo ambiziose. E sgridate le mie foglie che son troppo ambiziose. Rugiadose, odorose, violette, violette, graziose. Rugiadose, odorose, violette, violette graziose, violette, violette graziose. Thank you.
Lasciate i consigli, o pensieri,
lasciate i consigli o pensieri, lasciate, lasciate i consigli pensieri. André Turp, accompanied at the piano by Colombe Pelletier, continues his recital with a song by Beethoven, Adelaide, Opus 46, and two lieder by Schubert, Die Post, from the cycle Die Winterreise, Opus 89, and Geheimnis, Opus 14. Après les chansons de Scarlatti, André Turp chante Beethoven et Schubert. Du premier, nous entendrons l'opus 46, Adelaide, et du second, Die Post et Geheimnis. Oh,
lasche meines Herzens, die lasche meines Herzens. Deutlich schimmert auf jedem Purpurblättchen, auf jedem Purpurblättchen. Adelaide, Adelaide, einst vor Wunder, einst vor Wunder. Auf meinem Grabe eine Blume, die Rasche meines Herzens, die Rasche meines Herzens. Deutlich schimmert auf jedem Purpurblättchen, auf jedem Purpurblättchen. Adelaide. Auf jedem Purpurblättchen, auf jedem Purpurblättchen. Adelaide, Adelaide.
The second part of this concert at the Canadian Pavilion is devoted to French and Canadian composers. From Faure's Poème d'un jour, André Turp will sing Rencontre, Toujours, Adieu, and then two melodies by Duparc, Élégie and Soupir. La seconde partie du récital d'André Turp est consacrée à la mélodie française et canadienne. Nous entendrons d'abord Rencontre, Toujours et Adieu, tiré de Poème d'un jour de Fauré, puis d'Henri Duparc, Élégie et Soupir. J'étais triste et pensif quand je t'ai rencontré. Je sens moins aujourd'hui mon obstiné tourment. Oh, dis-moi, serais-tu la femme inespérée et le rêve idéal poursuivi vainement? Oh, passant aux doux yeux, serais-tu donc l'amie qui rendrait le bonheur au poète isolé et va-t-il rayonner sur mon âme affermie comme le ciel d'automne sauvage à la mienne pareille, et ma voir le soleil décliné sur la mer, devant l'immensité ton extase s'éveille, et le charme des soirs à ta belle âme est chère, une mystérieuse et douce sympathie. Déjà m'enchaîne à toi comme un vivant lien, et mon âme frémit par l'amour envahi, et mon cœur te chérit sans te connaître solitaire, sans me rappeler qui j'aimais. Demandez plutôt aux étoiles de tomber dans l'immensité, à la nuit de perdre ses voiles, au jour de perdre sa clarté. Demandez à la mer immense de dessécher ses vastes flots, et quand les vents sont en démence, d'apaiser ses sombres sanglots. N'espérez pas que mon âme s'arrache à ses âpres douleurs et se dépouille de sa flamme. Thank you.
changé plus vite que les flots des grèves nos rêves, plus vite que le givre en fleur nos cœurs. À vous, on se croyait fidèle, cruel, mais hélas, les plus longs amours sont courts. Puis je dis, en quittant vos charmes sans larmes, presque au moment de mon aveu. Triste, glacée.
To end his recital, tenor André Turc will sing the cycle Propos Intimes by Canadian composer Jean-Paul Janot, two poems by Éloi de Grandmont. Pour finir, André Turc interprète Propos Intimes du Canadien Jean-Paul Janot sur des poèmes d'Éloi de Grandmont. Connais-tu plus beau chant, belle nuit, sommeil et la jeune fille? Le blanc sur le bleu de la neige, et le blanc qui se perd dans le vent. A-t-on vu le matin où la neige perdait la chanson?
tes yeux si clairs. Au plaisir des plages, tant de bons imprévus. Les ombrages étaient plus frais que l'eau des sources. Oh, votre corps de jeune arbre étonné de ses premiers fruits. Prisonnière de l'ombre, vous donniez plus de baisers que l'arbre n'a de feuilles. Directly from the Canadian Pavilion at the International and Universal World Exhibition in Montreal, you have just heard Canadian tenor André Turc and pianist Colombe Pelletier in a recital brought to you by the International Service of the Canadian Broadcasting Corporation. Le Service international de Radio-Canada vous a présenté un récital du ténor canadien André Turc et de la pianiste Colombe Pelletier, directement du pavillon du Canada à l'Exposition universelle et internationale de Montréal.